se rencontre avec les gens qu'on connaît depuis longtemps et on a toujours plein de choses à se raconter. Les derniers concerts, comment ça s'est passé? Et toi? Bah oui, t'étais là-bas, j'ai entendu parler de toi. J'ai vu Vincent Letrot tout à l'heure. Vincent Letrot, ça fait pratiquement un an qu'on est dans les mêmes endroits, à peu près à 6 mois d'écart. Bah, on était contents de se voir. Christophe Declerc était là aussi, Christian Declerc était là, des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et on se pose toujours les mêmes questions, on se dit, alors t'as été accueilli comment là-bas? Bah moi j'ai été accueilli comme ça, et toi? Bah moi j'ai été accueilli comme ça, bah, tiens c'était pas pareil, c'est curieux. Et on se dit toujours, est-ce que t'as bien mangé là-bas? Bah oui j'ai bien mangé, est-ce que t'as bien bon? Oui on a bien bu aussi. Vous savez, il y a toujours cette grande question qui se pose quand on est musicien. Là on a été accueilli par Patrice qui nous a royalement accueillis dans sa maison, qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire. Mais, vous savez, quand on est musicien, il y a toujours cette question qui se pose, toujours la même. Quand on arrive vers 4-5 heures de l'après-midi, on a fait la balance, le son, la lumière, il y a toujours cette question qui se pose, toujours la même. Et cette question que tous les musiciens du monde se posent, et pratiquement tous les comédiens, les clowns, enfin, en tout cas les gens de spectacle, que je connais, ils se posent toujours cette même question à peu près à la même heure, et cette question c'est, est-ce qu'on va manger et boire avant ou après le spectacle? Sortez là, me demandez ce qui s'est passé. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de recommencer le plus vite possible. Thank you.
un peu de pays scandinave, l'Auvergne aussi, maintenant on est en Irlande. Et première mélodie, c'était une jig, en fait, qui n'est pas tellement irlandaise, simplement par son accent. Mais c'est une mélodie qui m'est venue il y a quelques années suite. Je vais donc avec mon ami Julien Biget, que vous applaudirez, j'espère, très très fort. Ouais, ouais. Julien, j'ai rencontré à Lille. Vous savez peut-être que maintenant j'habite à Lille, et Julien habite à Lille aussi. Et ben voilà, je suis bien content de l'avoir rencontré. C'est la première fois qu'on va jouer ensemble ce soir. Et qu'est-ce que je disais ? On fait composer ce morceau avec des styles, des rythmes un peu différents, des modes aussi un peu différents. Thank you.
Voilà, je suis parti sur une autre. Thank you.
Jean-Pierre Chamval. Jean-François Moreau.
applaudissements, Jean-François Brault. Bien, après cette petite introduction dédiée au mois de mai à la fécondité, à toutes ces sortes de choses, deux scottish à connotation zoologique, ton petit chien et ton petit chat. La première vient du répertoire d'un violonneux poids de vin de la région de Jancé qui s'appelait Aimé Bosier. Je